Laurent, nous revoici en direct live. Alors, on va parler de cette fête des vendanges qui a lieu chaque année, bien sûr, à Saint-Mathieu de Tréviers. Et oui, et on est un petit peu bousculé par la météo pour ce week-end. Alors, on va découvrir avec toi, bien sûr, le programme, mais je suppose que le programme va quelque peu être bouleversé par rapport à cette météo. Bonjour Willy, bonjour à toute l'équipe d'HTV. Effectivement, ce n'est pas la meilleure année pour organiser quelque chose les 7 et 8 septembre, mais c'est la date qui est la nôtre. Donc, on va essayer de faire du mieux possible par rapport à la météo qui nous est annoncée, qui n'est pas du tout favorable pour le moment. Mais bon, on est à quelques jours encore de le faire. Ça change énormément. J'espère que ça va changer en bien, parce que c'est beaucoup de travail et ce serait beaucoup de déception de tout annuler. Donc, on va essayer de faire au mieux, j'ai envie de dire. On sait que ce sera pas un week-end caniculaire et où on va faire la fête sous le soleil, ça c'est sûr, mais on va essayer de faire au mieux. Alors, on va dire que peut-être que samedi, ça va être bien, mais j'ai vu qu'il y avait quelques petits changements sur dimanche. Alors, la tendance du moment, effectivement, c'est samedi un peu de mieux, donc j'espère qu'on va pouvoir sauver au moins la journée de samedi. Dimanche, c'est mal engagé, mais on va faire au mieux. Après, tout se passe en extérieur, absolument tout. Donc, on est tributaire de la météo pour toutes les activités. Donc, on va Alors. voir. Pour le moment, effectivement, il n'y a que le samedi qui est viable. Bon, on va dire ça comme ça. Il y a une grosse programmation qui déjà circule sur les réseaux sociaux. Je rappelle que suivant la météo, bien sûr, rendez-vous sur la page Facebook du Club Taurin pour avoir beaucoup plus d'informations et d'actualités en permanence parce que c'est une page Facebook qui est très bien regardée et très bien parcourue en tout cas en termes d'informations. Je rappelle que c'est un gros programme puisqu'il y a des abrivados, il y a de la musique, il y a des courses de caisse à savon. Là aussi, c'est spectaculaire. Il faut absolument venir voir, bien sûr. On croise les doigts parce que c'est absolument génial. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi plein d'autres animations pour toute la famille. Complètement, le programme est très divers et varié, pour les enfants comme pour les plus grands. Il y a de tout pour tout le monde. Juste, je te reprends sur la caisse à savon, il y a quelque chose qui vient de tomber, c'est qu'on est obligé de l'annuler Ah. par manque de participants. Donc la course de caisse à savon est annulée pour le dimanche. Alors je pense que par rapport à la météo, ça aurait été compliqué de la maintenir malgré tout. Mais à ce jour, il n'y avait pas assez de participants pour que ça soit viable. Donc elle est d'ores et déjà annulée. Cependant, il va y avoir des abrivados, des bandidos, samedi, dimanche. La course du trophée de la ville, le samedi à 16h dans nos arènes. Une Olympiade camarguaise entre deux manades, le dimanche. Donc voilà, le programme est bien proportionné pour tout le monde. Il y a une fête foraine pour les enfants. Il y a des food trucks sur la place devant les arènes. Il y aura de quoi se restaurer, de quoi boire un coup, de quoi passer de bons moments en famille, entre amis, devant les arènes et dans les arènes Claude Sommal. Voilà, ce qu'il faut juste, c'est être attentif à la météo. Alors, je rappelle, ce n'est pas que pour ton événement, la fête des vendanges à Saint-Mathieu de Tréviers. C'est pour tous les événements qui vont avoir lieu, en tout cas ceux qui vont avoir lieu à l'extérieur. Alors, même pour ceux qui ont lieu à l'intérieur, c'est vrai que sous une avalanche de pluie comme on a en ce moment, par exemple, ça peut être très compliqué. On va juste revenir sur ce programme, puisqu'il y a bien sûr des abrivados. Si les gens découvrent un petit peu cette animation, puisque je rappelle qu'il y a encore des gens qui sont en mode vacances scolaires, notamment les étrangers qui parcourent notre beau territoire. S'ils passent par là, effectivement, les abrivados, il y a une participation qui est demandée. Alors, les abrivados, les bandidos se passent dans les rues du village, c'est totalement gratuit. Ah oui, pardon. Les deux seules animations qui sont payantes seront la course camarguaise du samedi après-midi et l'Olympiade des gardiens qui se passe le dimanche. Donc 10 euros pour le samedi pour une course camarguaise de qualité, avec un bon programme côté taureau et côté raseteur. Un spectacle d'ouverture équestre, avec des cavaliers, des arlésiennes en ouverture de tout ça, c'est pour samedi 16h30. Et 3 euros le lendemain pour le concours des gardiens entre les manades à Lafond et les manades Alain, toujours à 16h aussi dans les arènes de Claude Sommade. Donc voilà pour les parties payantes. Tout ce qui sera samedi midi dans les rues, les abrivados, la bandido du samedi soir, la bandido du dimanche se passe dans les rues de Saint-Mathieu, c'est totalement gratuit. Est-ce Voilà. que ça peut Donc. se faire avec un temps un petit peu mitigé, s'il y a quelques gouttes de pluie? Alors pas une pluie torrentielle, bien sûr, parce que je suppose que pour les animaux, c'est loin d'être évident, qu'ils soient cavaliers, taureaux et spectateurs, mais est-ce qu'il peut y avoir deux, trois petites gouttes de pluie comme ça va pas changer grand-chose? Alors, sous la pluie, la vraie pluie, j'ai envie de dire non, il n'y aura rien, de part pour le respect déjà voilà, des animaux, comme vous avez dit. Et puis, ça devient quand même dangereux pour les gardiens dans les rues, pour les raseteurs dans les arènes. Après, sous un temps gris et légèrement humide, oui,
Là, il n'y a pas de souci. Maintenant, ce sont des traditions que l'on aime vivre sous le soleil. Ce ne sera pas le cas ce week-end, mais on va tout faire pour passer un bon moment. Faites-nous confiance pour continuer à se battre pour faire vivre notre programme sur lequel nous travaillons depuis des mois, des semaines et quelques, pour certaines des mois. Et oui. Donc, on va tout faire pour le maintenir. Et je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure. C'est vrai qu'on essaye de faire vivre nos réseaux sociaux, donc Insta ou Facebook pour le Club Touring. Voilà, toutes les infos seront en temps réel, j'ai envie de dire, sur nos réseaux. Et je tiens à dire qu'à l'heure où on se parle, tout est pour le moment maintenu. Voilà, le téléphone n'arrête pas de sonner, mais tout est pour le moment maintenu. Dernière décision se fera vendredi soir. On va faire une petite parenthèse parce que moi, j'aime bien éveiller la curiosité des gens qui ne connaissent pas. Les raseteurs qui viennent, ce n'est pas de simples raseteurs, c'est des raseteurs qui ont un parcours mémorable. Complètement. Alors là, c'est la catégorie à venir. Donc, c'est la catégorie juste en dessous le trophée des As qui est l'élite des raseteurs. Donc, on va dire qu'on est dans la Ligue 2. Si on compare par rapport au football, ça parlera peut-être plus aux gens. Mais avec des raseteurs à l'avenir, donc ils sont aux portes du trophée des As, aux portes de l'élite de la course camarguaise. On a 4 raseteurs parmi les 6 premiers, donc c'est quand même un beau plateau. On a des taureaux également qui sont classés à l'avenir, donc ils sont aussi aux portes de passer à l'échelon supérieur le trophée des As. Donc on a vraiment un beau plateau dans nos arènes pour samedi après-midi, effectivement. Et c'est l'occasion en plus de fêter le 20e anniversaire du trophée de la ville, parce que c'est le trophée de la ville et qui avait été lancé en 2005. Et donc, on fête les 20 ans cette année. Donc, c'est pour ça qu'il y aura ce fameux spectacle en ouverture lors de la Capelade. Une belle remise des prix également. Donc, c'est le clou, c'est la partie la plus importante du programme de la fête des Vendanges 2024. Avec la participation de 2 grosses manades, on retrouve toujours la manade Alain. Alors, la manade Alain s'occupera de tout ce qui est spectacle d'avant-course, la partie équestre et la partie remise des prix. Pour la partie course, on aura 7 manades, donc 7 manades différentes qui amèneront chacun un de leurs taureaux. Donc c'est un concours de manades et à l'issue de la course, un trophée sera décerné au meilleur taureau de l'après-midi et au meilleur raseteur de l'après-midi. Et puis là aussi avec un grand banc de didos, ça sera normalement dimanche vers 17h en parcours ouvert avec la manade Lafont. Là aussi, on croise les doigts hein, parce qu'il y a tout un beau programme que je vous invite à découvrir sur la page web tourismeoccitanie.com, mais pas que, aussi sur la page Facebook bien sûr du Club Taurin pour voir toute la programmation. Allez, si on devait poser la question qui fâche, la question qui tue, samedi, le moment à ne pas rater. Ah, le samedi, le moment à ne pas rater, c'est 16h30, la Capelado, donc le spectacle d'ouverture de la course du trophée de la ville. Avec, comme je vous disais, il y aura 14 cavaliers en piste pour un spectacle d'une quinzaine de minutes. 14 cavaliers, 11 arlésiennes, des enfants impliqués aussi dans la cérémonie. Donc le point à ne pas rater, c'est ça, avec la course qui suit derrière, bien sûr. Donc voilà, c'est compliqué dans le programme que l'on a mis en place de choisir un moment. Mais comme ça fait partie du jeu, voilà mon moment à moi. Parce que c'est vrai qu'à 11h30 le matin, il y a la Brivado en parcours ouvert. Là aussi, c'est quand même super sympa. C'est vrai que quand on connaît un petit peu, c'est vrai qu'on commence le matin et puis on finit le soir parce que tout est chouette. C'est une journée vraiment conviviale. Tout se passe avec vue sur le Pic Saint-Loup, le château de Montferrand qui sont magnifiques. Comme je vous disais, on peut se restaurer, on peut laisser les enfants à la fête foraine, on peut boire un coup. Il y a tout ce qu'il faut. Je te devance peut-être sur la question suivante, mais il y a toujours de la place pour se garer autour des arènes Claude Sommade à Saint-Mathieu. On voit les habitués, Ouais, voilà. Les arènes sont faciles d'accès et faciles pour stationner, donc c'est vrai que c'est toujours un bon moment que se fait des vendanges. J'espère que samedi, nous passerons au travers de la pluie. Et puis, nous aussi, on l'espère. On vous rappelle qu'en même temps, ça sera les 20 ans du trophée de la ville. Et ça, c'est important, en souvenir, bien sûr, de Bruno Bourrier. En tout cas, on va croiser les doigts. Et puis, pour toute information complémentaire, rendez-vous vraiment sur la page Facebook du Club Taurin pendant que Laurent s'étouffe légèrement, puisqu'il croise les doigts pour que le week-end se passe à merveille. On va lui laisser reprendre ses esprits. Laurent, peut-être un dernier mot, puisque tu es président du Club Taurin, mais tu n'organises pas que la fête des vendanges, tu organises pas mal de petites choses sur Saint-Mathieu. Alors, pardon. Oui. Le club, j'ai perdu ma voix. Ça y est, il a perdu sa voix. On va y arriver. Excusez-moi, c'est du live. Donc, le Club Taurin organise pas mal de manifestations.
C'est vraiment du C'est live. l'effet météo. Bon, on ne le voit jamais. Désolé. Donc oui, pour revenir sur la question, le Club Taurin, toute l'année, on organise pas mal de manifestations avec le comité des fêtes, avec la mairie. Je suis désolé, Willy, et désolé pour C'est pas grave, c'est pas grave. tous les téléspectateurs. Donc, pas mal d'événements toute l'année. Ça a commencé en principe au mois d'avril. On a la fête au mois de juillet. Et puis, souvent, des manifestations dans l'été. Et là, la fête des vendanges en septembre. Je perds. Ouais, on va te laisser un petit peu souffler. Mais de toute façon, on a l'habitude de te retrouver chez nous pour nous parler de toute cette aventure, on va dire, en tant que président du Club Taurin, parce qu'il y a vraiment une très belle organisation. Je vous rappelle que c'est ce week-end. Soyez attentifs. Regardez sur la page Facebook du Club Taurin de Saint-Mathieu-de-Tréviers. Le nom de la page Facebook, peut-être? Club Torel, le Saint-Loup, c'est un match de très bien. Eh ben voilà, on est arrivé à bout. Merci beaucoup, Laurent. On croise les doigts et puis on se tient au courant. Salut. Merci beaucoup, j'espère que j'aurai de la voix pour ce week-end. Merci encore, Willy, pour tout le support et à bientôt. Salut, ciao.